Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons visiter Giverny. C'est la maison et le jardin du peintre français Claude Monet. Il était le maître de l'impressionnisme. Giverny est situé à 75 km de Paris, la capitale. Claude Monet s'est installé à Giverny en 1883 et il y est resté jusqu'en 1926. Le peintre était passionné de jardinage. Dès qu'on entre dans ses jardins, nous sommes éblouis par la quantité de fleurs, d'arbres et de plantes de couleurs différentes. Claude Monet s'est installé à Giverny afin d'avoir plus de respect de sa vie privée. En effet, il vivait avec une femme mariée et ses 6 enfants. Il avait également 2 enfants à lui. Imaginez toute la famille Monet se promener dans cette magnifique propriété. La maison est très colorée. Claude Monet en a choisi lui-même les couleurs, selon ses goûts. Nous entrons dans la maison par une pièce qui s'appelle le petit salon bleu. La maison conserve une décoration d'époque. Voici quelques exemples de la grande collection d'estampes japonaises de Monet. Il était passionné par le Japon. Nous entrons à présent dans le premier atelier de Claude Monet. Il aimait y boire son digestif après le repas avec ses amis peintres. Le premier atelier a été reconstitué en 2011. On y a accroché plus de 160 reconstitutions d'œuvres de Monet. La peinture impressionniste repose sur la transcription d'émotions fugitives et la visibilité du trait de pinceau. Comme tu peux le voir, il était très inspiré par la nature et en particulier par ses jardins. Au premier étage, nous pouvons visiter les chambres de la famille. La décoration était très importante pour le peintre. Il souhaitait se sentir bien et inspiré chez lui. Nous évoluons dans la maison en admirant toutes les œuvres d'art du peintre. Depuis les fenêtres, nous pouvons admirer les magnifiques jardins entretenus jusqu'aujourd'hui par la Fondation Monet.
Voici d'autres éléments de la collection d'estampes de Monet. Dans sa cuisine jaune, il avait une table qui pouvait accueillir 16 personnes. Il avait souvent des invités célèbres à sa table, comme par exemple Rodin ou Sisley. Le peintre a choisi lui-même la couleur de cette cuisine. Il souhaitait y avoir le plus de luminosité possible. La cuisine a été reconstituée le plus fidèlement possible, avec ses carreaux bleus de Rouen et les ustensiles en cuivre d'époque. Nous entrons à présent dans la partie du jardin appelée le Clos Normand. Claude Monet, passionné de jardinage, y a travaillé des années afin de créer tout un univers picturesque. Les couleurs des fleurs y sont organisées selon une logique très artistique. Les couleurs du jardin sont pensées pour rappeler la trajectoire du soleil. En effet, nous pouvons, en nous promenant, remarquer qu'à l'est des jardins, les fleurs sont principalement de couleur froide, c'est-à-dire bleu, violet ou rose. Et petit à petit, si on avance vers l'ouest, les couleurs deviennent chaudes, jaune, orange, pourpre, etc. Nous arrivons aux nymphéas, la grande passion du peintre. Il a créé lui-même ses ruisseaux dans son jardin afin de pouvoir les cultiver. Il avait même un jardinier qui venait quotidiennement chez lui pour dépoussiérer et nettoyer les nymphéas. Il passait alors de longues heures à les peindre, jour après jour. La visite est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous venez à Paris, essayez de visiter Giverny. C'est magnifique. Je vous fais une bise, à très bientôt.